on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. Simplement, je vois souvent la question passer. Pourquoi mon hamster range-t-il les barreaux de sa cage? Alors, il y a énormément de réponses à cette question et je vais voir avec vous simplement la cause la plus courante, c'est-à-dire que c'est l'ennui. Alors, le hamster qui range ses barreaux, généralement, c'est un hamster qui s'ennuie. Il range ses barreaux parce qu'il a envie de sortir de son habitat, évidemment. Du coup, la première question à se poser est de savoir si l'habitat de votre hamster est bien adapté. On vous remet le lien vers la vidéo sur l'habitat ici en haut. Allez voir déjà si la taille de la cage est adaptée. Donc je rappelle que les étages ne comptent pas parce que le hamster doit pouvoir creuser. Donc les étages ne comptent absolument pas dans la surface de l'habitat et la surface doit être en un seul bloc. Si le hamster doit passer d'un bloc à l'autre, il faut compter que la surface principale soit au minimum des 4000 cm² recommandés. Donc après vous pouvez avoir d'autres espaces reliés par exemple par des tuyaux, ce genre de choses. Donc les tuyaux toujours assez grands pour l'hamster syrien évidemment. Ça on vous en parle depuis des mois dans les vidéos, donc n'hésitez pas à aller les revoir. Mais donc il faut voir si le hamster dispose déjà d'assez d'espace au sol. Il faut voir s'il dispose d'une couche de litière assez importante parce que le hamster est un fouisseur, donc il aime creuser, il fait des galeries. Dans la nature, il faut savoir que les galeries descendent à 2 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment important d'avoir une grosse épaisseur de litière. On recommande au minimum 15 cm. 15 cm, c'est à peu près la taille de votre main. Quand vous la mettez comme ça sur le bac, généralement ça fait la hauteur du bac. Vous mettez la litière jusqu'au ras du bac. Si vous avez des vintage, c'est encore mieux parce que vous pouvez mettre plus de litière. Donc une surface assez grande, une profondeur assez grande, il faut qu'il ait de l'activité dans sa cage mais pas trop, donc c'est-à-dire la cage ne doit pas être encombrée, il faut qu'il puisse courir et voyager, notamment sur les bords de la cage, c'est généralement ce qu'il préfère comme trajet, c'est de longer les bords de la cage. N'oubliez pas qu'il faut qu'il ait une roue, c'est impératif, et qu'elle soit adaptée à sa taille. Donc pour les hamsters syriens, il faut impérativement au minimum du 28 cm, donc c'est les grandes roues comme ceci. Pour les hamsters nains, il faut au minimum du 20 cm, donc les roues que vous avez de base avec les cages ne conviennent pas, elles sont beaucoup trop petites. Donc il faut qu'il ait une roue adaptée, il faut qu'il ait des cachettes. Généralement, on conseille, si votre habitat est assez grand, d'enterrer des tuyaux par exemple, comme ça, ça lui fait des galeries sous terre. Donc n'oubliez pas que les tuyaux doivent être adaptés encore une fois, ne prenez pas les petits tuyaux pour hamsters quand il s'agit d'un hamster syrien parce qu'il risque de rester coincé dedans. On vend notamment sur Zoopus, vous avez les tuyaux bleus extensibles qui sont très très chouettes, que je viens d'acheter d'ailleurs, qui sont vraiment super chouettes, où le diamètre est suffisant pour un hamster syrien, donc ça c'est très bien. Vous l'enfoncez sous la litière et vous faites simplement ressortir les bords en surface. Comme ça, lui ne perd pas de surface pour courir ou se déplacer et en même temps, il a de la surface sous la litière pour pouvoir voyager encore un petit peu plus. Vous pouvez lui mettre d'autres activités, attention, pas des jeux en hauteur parce que ça va l'inciter à grimper et les hamsters grimpent facilement mais ne savent pas bien redescendre et du coup ont tendance à se faire mal parce qu'ils se lâchent de la hauteur. Donc ça c'est vraiment pas bon. Évitez tout ce qui est en hauteur, donc vous mettez au niveau du sol ou à peu près au niveau du sol. Vous pouvez mettre éventuellement des choses à ronger, donc toujours du naturel, évitez tout ce qui est colorant, trucs artificiels, etc. Mais vous pouvez mettre des morceaux de bois à ronger, on en vend dans le commerce. Vous pouvez utiliser du bois que vous avez tant qu'il n'est pas traité et il faut absolument le désinfecter, donc le passer au four un petit peu avant. Dans le commerce, vous avez pas mal de trucs à ranger, notamment des petites maisons en foin ou en paille, etc. Ça, vous pouvez prendre, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas que votre hamster doit sortir de son habitat pour se dégourdir les pattes. Pas forcément tous les jours, mais tous les deux jours, c'est quand même une bonne moyenne. Ça ne doit pas forcément être long, simplement ça doit l'occuper, ça doit lui changer de ses habitudes, ça doit lui faire une sortie. Ça va l'occuper mentalement aussi parce qu'il va avoir des choses à découvrir, à explorer, etc. Donc évidemment, ne le sortez pas de son habitat pour le mettre toujours dans le même parc avec les mêmes accessoires au même endroit, etc. parce que finalement ça ne lui fait pas vraiment une bonne sortie. N'hésitez pas à changer les accessoires, changer la disposition du parc, etc. Et si vous avez la possibilité, comme je l'ai déjà dit, et si votre hamster est déjà apprivoisé, n'hésitez pas à le balader dans une pièce sécurisée, donc le soir, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour eux, ils peuvent vraiment courir et profiter, c'est vraiment beaucoup mieux. Alors, si le hamster ronge ses barreaux alors que l'habitat est déjà adapté, il faut voir éventuellement pour avoir un habitat plus grand. Parce que comme je le disais, 4000 cm² c'est vraiment le minimum et il y a des hamsters pour qui c'est vraiment trop petit. Donc soit vous le sortez plus, soit vous cherchez un habitat un peu plus adapté. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est essayer d'en avoir un à prêter si vous avez quelqu'un qui a une cage plus grande et voir si le comportement s'estompe ou pas du tout. Alors ensuite, vérifiez également qu'il n'y a rien qui l'attire vers le haut de la cage, parce que généralement quand il ronge les barreaux, c'est souvent dans le haut de la cage. Vérifiez qu'il n'y a rien qui l'attire par là non plus. Il faut aussi voir, parce que j'ai vu ce comportement aussi, chez des hamsters qui essayaient d'attirer l'attention. Donc c'est-à-dire qu'ils se rendent compte au bout d'un moment que quand ils rongent les barreaux, par exemple, on les sort, on fait une sortie en liberté.
Et du coup, pour sortir, ils ont assimilé le truc de « je range, on me sort ». Et donc, ils vont ranger compulsivement jusqu'à ce qu'ils aient leur sortie. Et comme c'est jamais assez, généralement, ils vont continuer à ranger, etc. Donc ça, c'est vraiment un cercle sans fin. Donc à ce moment-là, il va falloir prendre sur vous un petit peu et le sortir quand il n'est pas occupé à ranger ses barreaux. Donc par exemple, il range ses barreaux, vous l'ignorez, et puis à un moment il va descendre, il va manger, il va faire autre chose, et à ce moment-là vous le sortez. L'idée c'est vraiment de couper la relation qu'il a établie lui-même en fait, entre le fait de ranger ses barreaux et le fait de sortir. Ça va pas se faire évidemment en une fois ou deux fois, ça va se faire sur le long terme. Donc si vraiment vous constatez que c'est vraiment dû à ça, n'hésitez pas à essayer de le sortir vraiment à des moments où il n'est pas en train de ranger ses barreaux, quitte à glisser un peu de nourriture dans un coin de la cage, attendre qu'il soit en train de manger et de faire autre chose pour justement le sortir. Et alors évidemment, le dernier cas, il faut savoir que le hamster, comme je le disais, 4000 cm², c'est vraiment peu, et que du coup, tous les hamsters, quel que soit l'habitat qu'on leur offre, c'est jamais la pleine liberté. Donc la plupart des hamsters vont quand même s'ennuyer à plus ou moins grosse mesure dans leur habitat. Ça, y a rien à faire, on peut rien y faire. Il y a des hamsters qui vont bien s'adapter à ce genre de situation, et il y a des hamsters qui vont moins bien s'y adapter. Ça dépend vraiment d'un animal à l'autre. Dans l'étude que je vous ai remis en lien sous la vidéo, ils constataient que même sur des cages de 100 x 100, donc ça vous fait 1 mètre carré de cage, avec vraiment une bonne profondeur de litière, et donc l'hamster avait vraiment de quoi faire, il y avait quelques sujets qui continuaient à ranger les barreaux. C'est de l'habitude, c'est aussi de l'ennui quelque part, mais c'est vraiment quelque chose contre lequel vous ne pouvez plus rien faire malheureusement. Chez certains individus, ça ne passera pas, il n'y a rien à faire. À ce moment-là, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est carrément changer pour passer en bin cage. Si vous sentez que l'habitat est fort petit, n'hésitez pas à relier deux grandes bin cages ensemble. Donc, je parle des grandes, elles font pas tout à fait 80 x 50, elles font 78 x 56, je pense. Vous reliez deux grosses bin cages comme ça ensemble, avec un tuyau pour rats, vous savez, les tuyaux Fairplast. Éventuellement, ça vous fait un gros environnement, le hamster n'a pas accès aux barreaux et du coup, il va faire autre chose, il va trouver autre chose, il va peut-être ranger ses accessoires, il va... Enfin voilà. Le hamster est un rongeur, donc forcément il va ranger, il faut juste pas que ça devienne compulsif, donc il faut trouver des alternatives au cas par cas. Malheureusement, c'est vraiment au cas par cas, je ne peux pas faire plus de généralité que ce que je viens de faire maintenant. Donc je récapitule, on vérifie que la surface de l'habitat est adaptée, on vérifie que la profondeur de la litière est adaptée, on vérifie que les accessoires sont présents et adaptés, qu'il a bien les sorties régulières, on vérifie que ce n'est pas un comportement d'attente de sortie ou ce genre de choses. Et vraiment, si ce n'est aucun de ces points-là, alors on essaye de trouver des alternatives, donc passer en bin cage ou en cuve d'aquarium notamment. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude. Et puis poser toutes vos questions en général, etc. Comme toujours, vos propositions de vidéos. Ici, j'ai repris d'ailleurs deux questions qui revenaient ici sur les dernières vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. on a dépassé les 2500 abonnés, donc c'est vraiment chouette. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, donc on n'est pas actif en permanence, mais on a quand même Snapchat, Facebook et Instagram. Alors juste une petite note sur Facebook, c'est vraiment, on vous poste des photos vraiment régulièrement, on vous poste les annonces de vidéos, les annonces pourquoi on n'a pas fait de vidéo les deux derniers jours par exemple, ce genre de choses. Tandis que Snapchat, c'est un petit peu les délires de Mélo, donc c'est vraiment elle et sa vie, ses animaux, etc. Instagram, c'est moi qui gère, donc encore une fois, c'est vraiment des photos de tous les jours, quand je vous poste une vidéo, etc. On ne répond pas aux questions sur ces réseaux sociaux parce qu'on n'a pas le temps. Déjà, on a du mal à trouver du temps pour vous faire des vidéos. Donc on ne répond aux questions que sur YouTube, sous les vidéos, en commentaire ou dans les vidéos suivantes. Donc si vous avez des questions, posez-les ici. Et encore une fois, parce qu'on a énormément de questions de ce genre-là, quand c'est une question de santé, nous ne sommes pas vétérinaires, il n'y a qu'un vétérinaire qui va savoir vous répondre. Donc à ça, on ne répondra jamais de toute façon. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.